الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه له الحمد والثناء الجميل. احمده سبحانه وتعالى حق حمده واصلي واسلم على من ارسل رحمه وهداة للعالمين سيد الاولين وامام الانبياء خاتم المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله ومن والاه. اما بعد ايها الاحباب الكرام، مع سوره النازعات. سوره النازعات مكية وعدد آياتها 46 آية. سيبدأ الحق سبحانه وتعالى بالقسم على غرار بعض السور المكية التي بدأت بالقسم، وسيقسم الله سبحانه وتعالى هنا ببعض من مخلوقاته أي الملائكة. وهذا القسم في نفس الوقت يوضح فيه الحق سبحانه وتعالى صفات ومهمات هذه الملائكة. فالإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان الستة، الإيمان بالله وملائكته. فالله سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء من مخلوقاته ليثير انتباهنا أن في هذا القسم أسرار وحكم نجتهد للإطلاع عليها. ومن الأسرار التي سنكتشفها اليوم أن ثمة ملائكة لهم مهمات معينة يكلفون بها. فعالم الملائكة أيها الأحباب الكرام عالم من عوالم الغيب التي لا يطلع عليها إلا الحق سبحانه وتعالى. وما يعلم جنود ربك إلا هو. فهذا العالم عالم أخفاه الحق سبحانه وتعالى على بني الإنسان، ولكن جعل الإيمان به أمر محتوم، لأنه كلما أخبر به القرآن فهو كرأي العيان، لهذا فينبغي الإيمان به. Alors inshallah subhanahu wa ta'ala avec le chapitre 79 ce qui arrache. À travers ce chapitre, c'est un chapitre mécois de 46 versets. Allah subhanahu wa ta'ala va commencer ce chapitre par des jurements. Il va jurer par une catégorie de ces créatures. Et ces catégories, ce sont des anges. Au même temps, Allah subhanahu wa ta'ala va juger et il va, comment dirais-je, nous informer de ces qualifications, si on peut dire, des anges. Les anges, le fait de croire aux anges, c'est parmi les piliers de la foi. Comme vous le savez, les piliers de la foi, ils sont six. Les piliers de l'islam, cinq. Les piliers de la foi, ils sont six. Alors, les piliers de la foi, c'est de croire en Dieu et ses anges. Après, ses livres, ses messagers, le jour dernier, le mal qui soit, le destin qui soit bon ou mauvais, et puis le jour l'autre. Alors, le monde des anges, c'est un monde invisible par rapport à nous. Et c'est un monde, comment dirais-je, dont le Coran nous a parlé de quelques informations. On n'a pas toutes les informations. Tellement que c'est un monde inconnu pour nous, on doit vraiment y croire à tout ce que le Coran nous a informé. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous montre sa puissance. D'un côté, et d'un autre côté, ça nous montre comment ces créatures obéissent à Dieu subhanahu wa ta'ala d'une façon stricte. Ils ne désobéissent pas à Dieu subhanahu wa ta'ala. Et nul ne connaît les soldats de Dieu, les armées de Dieu subhanahu wa ta'ala que lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il nous a donné quelques informations concernant les anges. Alors les anges, à travers ce verset-là, on va découvrir que chaque groupe d'anges a, comment dirais-je, une mission bien spécifique. Wa kama ta'lamuna al-mala'ika makhluqatun نورانية خلق الله سبحانه وتعالى من نور. نحن خلقنا من طين والجان خلقه من نار. فهي مخلوقات من نور. ووظائفها حددها الحق سبحانه وتعالى لكل منها. وليسوا بإناث وليسوا بذكور. ليسوا بإناث وليسوا بذكور. Les anges, c'est des créatures que Dieu subhanahu wa ta'ala a créées à travers la lumière. Nous,
a été grillé de l'argile, les djinns ont été grillés du feu, et nous, et les anges, Allah subhanahu wa ta'ala les a créés de lumière, ça veut dire ils ont cette mention de ils sont invisibles. De la lumière, si on peut dire. Et aussi par rapport à la vitesse. Et ils ne sont pas ni des mâles ni des femelles. Et donc, l'amour, comme on dit, les anges, ce sont des créatures que Dieu subhanahu wa ta'ala a créées, il a confié à chacun d'eux une mission bien spécifique. On a comme malaïkatu al-jibal, malaïkatu al-riyah, malaïkatu al-matar, malaïkatu al-rahma, malaïkatu al-adab, يعني كل ملائكة حملة العرش ملائكة تبلغ الرسالات ملائكة حفظة ملائكة يكتبون الحسنات ملائكة يكتبون السيئات هذه كلها أمور يعني عندنا نحن مسلمين هي معلومة ولكن ليست معلومة بذلك الإيمان القوي لو كان الواحد منا يعلم أن عن يمينه ملائكة يكتبون الحسنات وعن يساره ملائكة يكتبون السيئات لو كان حقا نعلم حق اليقين لما يعني فعلنا السيئات التي نحن على يقين أنها ستكتب ونشتغلنا بالحسنات التي نحن على يقين أنها ستكتب نحن نعرف أن الملائكة تكتب على يسار السيئات على يمين الحسنات ونحن نأتي بالسيئات ونعلم أنها ستكتب لا شك ولكن النفس شيطان طمع وكثير من الأمور التي تجعلنا نغيب هذه الحقيقة. Alors parmi les missions de ces gens, Allah سبحانه وتعالى crée les anges pour la nature en général, le vent, la pluie, les inondations, tout ce que vous voulez, tout ça, ça se passe pas comme ça au hasard. Par un ordre de Dieu subhanahu wa ta'ala, il peut y avoir, je ne sais pas, 50 degrés, et par un ordre de Dieu subhanahu wa ta'ala, trouve une inondation. Il peut y avoir une stabilité totale, par un ordre de Dieu subhanahu wa ta'ala, tu trouves un séisme de, je sais pas, 12 degrés dans l'échelle. Ça, c'est auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu ida arada shay'an an yakuna lahu kun fayakun. Et puis, on croit qu'il y a des anges de l'enfer, les anges qui s'occupent du paradis, les anges de miséricorde, les anges de sentiment, les anges de punition, les anges, et les anges qui notent les bonnes actions, les anges qui notent les mauvaises actions. On croit à ça autant qu'on croyons. Celui qui ne croit pas à ça, là, il a renié sa croyance. Parce que ça, c'est parmi les piliers de la croyance. Arkan al-Iman. Celui qui ne croit pas qu'il n'y a pas d'ange, celui-là, il doit vérifier sa croyance. Alors nous, on croit. Et surtout, cette croyance, est-ce qu'il est utile à nous ou non? Parfois, non. Parce que celui qui croit que de son côté droite, il y a des anges qui notent les hasanat, et de son côté gauche, il y a des anges qui notent les sayyat, normalement, il doit cesser de faire sayyat. Tant qu'il sait qu'il sera noté éternellement, il sera jugé de tout ce qui a été noté. Et normalement, il doit multiplier les hasanat. Tant qu'il croit, qu'il sera noté, il aura la récompense auprès de Dieu, de tout ce qu'il a fait. Alors pourquoi nous, on ne cesse pas de faire des séhat, malgré qu'on croit qu'ils sont notés? Il y a une fuite quelque part. Hein? Alors là, c'est les signes de la faiblesse de la foi. Hein? L'ego, nos égos qui dominent, nos passions, l'ignorance, hein? Mauvaise compagnie. Plusieurs facteurs. Et c'est là où il y a la différence entre ceux qui ont la foi complète et la foi qui est instable. Ceux qui ont la foi complète, ils mesurent toutes choses. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ishn al-raqib? Al-malaika. Quand on prononce une parole, Allah nous dit, toute parole que vous prononcez, il y a un ange qui s'appelle Al-Raqib qui va la noter d'une façon éternelle. Atid sera If Surat Qaf, Surat Fitar, Surat Qaf, Allah, c'est Ati Binafs al-Kalima. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid.
Et le jour dernier, chacun va venir hein, accompagné d'un guide et d'un témoin. قال قرينه هذا ما لدي عتيد رقيب عتيد لدي عتيد نوتي le jour où tu vas hein? Parce que c'est vrai on va s'étonner le jour dernier ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها mais qu'est-ce qu'il a su libre il a délaissé aucune petite ni grande chose tout est noté c'est normal tu savais que c'est noté pourquoi t'avais pas fait attention إذن هذا العالم الله سيقسم به من 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 هذا الجانب سيقسم الله بالملائكة وسيقسم الله بالملائكة مبرزا صفاتها يعني مبرزا مهماتها عفوا مهماتها أما صفاتها فهي ملائكة ذو أجنحة مثنى وثلاثة وأربعة يخلق ما يشاء الملائكة هنا كيزون دو زيل هنا كيزون ديس هنا كيزون كات سيس ميل جو سي با النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى جبريل في سورته التي خلق الله فيها سد الأفق إلى كمون ديغي لا كرياسيون دو جبريل لو بروفيت صلى الله عليه وسلم نوزا ديكري كرياسيون جبريل كو إلى كاريمون فيرمي لوريزون لو بروفيت نو فا بلو ريان تيلمون كو Vous imaginez que tu es dans un endroit désert, il n'y a pas de bâtiment aujourd'hui comme à l'époque le prophète était dans la... Et tu vois une créature devant toi hein, qui cache tout ce que tes yeux peuvent voir. Vous imaginez? C'est une création devant toi qui cache tout ce que tes yeux peuvent voir. C'est-à-dire, vous pouvez imaginer comment... Et donc, هذه المخلوقات احباب الكرام الله سبحانه وتعالى اسند لها مهمات وكم عددها يكون بيان دونج الله اعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه في البيت المعمور في كل يوم يدخله 70,000 ملكا يطوفون ويصلون ولا يعودون الى يوم القيامه في كل يوم depuis la création de la terre des cieux de la terre Le prophète n'a dit que la maison remplie près de Dieu, il y a 70 000 anges qui rentrent et font le tawaf, et font les prières, et font les alka chaque jour. Et le groupe qui rentrait un jour, hein, le premier jour, ne revient pas à la même chose jusqu'au jour dernier. Alors à vous de compter combien de jours depuis la création de Beit al-Ma'mour jusqu'à la fin du temps, combien d'anges إذن فهذا الأمر أيها الأحباب الكرام هو كما قلت نحن والحمد لله رب العالمين نؤمن أن فيه ملائكة فيه مخلوقات في هذه الأمور كلها وكما قلت يعني عددها لا يعني لا يحصى ومهماتها لا تحصى إذن يبدأ الله سبحانه وتعالى والنازعات غرقا واو القسم النازعات الملائكة على ما ذهب إليه جمهور المفسرين بدون الدخول في تفصيلات وتفسيرات العلمية التي ذهب إليها بعض العلماء اليوم النازعات هي الملائكة التي كلفها الله سبحانه وتعالى بنزع أرواح الكفار إنها تنزع وغرقا يعني تنزعها بشدة وأعطى في ذلك مثالا كما لو أخذت يعني صوفا صوف ممزوج ب يعني الشوك وغيره وتريد أن تنزع هذا الصوف من الشوك شيء يعني لا 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 يتصور النازعة تنزع لأن هذا الروح والله أعلم لماذا تنزع روح الكافر من الجسد بهذا الشكل تنزع سبديغ إلى غاش إلى غاش باسكو لو بلادي سامبل إكزومبل سي كوم كوم ديريج بو دو كوتون ميلونجي افيك دي زيبين اي سو سويت اي اون إيساي دو
de les séparer. C'est comme ça. Pourquoi Allah a'lam? هذه لم يذكرها المفسر ولكن والله أعلم من باب اللطائف التفسيرية لأن روح الكافر لكثرة تعلقها بجسده المادي لا تريد الانفصال عنه والله أعلم هذه من بين أمور التي ربما الله سبحانه وتعالى بين لنا فيها لطيفة لأنه الروح لكثرة ارتباطها بالجسم المادي بمعنى ارتباطها بالدنيا والجسم المادي لا تريد أن تخرج منه تريد أن تبقى خالدة فيها لذلك فإن الملائكة تنزعها نزعا فتنزعها في كل عرق من جسدها لأنها ارتبطت بالمادة أما روح المؤمن فهي من والناشطات نشطا أي تنزعها بنشاط لأنها لم تتعلق بالجسم المادي إنما تعلقها سام هذا سميت النازعة تنزع كأنك تنزع الشيء الذي لا يريد أن ينفصل عن شيء آخر ثم النشاط كينما كما يقال كأنك أخذت شعرة في كما نقوله في الزبدة في العجين أو أخرجت شعرة في العجين هل تحس بها؟ رأيت شعرة في العجين وأخرجتها شيء يعني سهل جدا لأن روح المؤمن أصلا تسمو إلى العلياء ولا ترتبط بالتراب أما روح الكافر فمرتبطة بالتراب فلكي تخرج ينبغي نزعها ألو الله سبحانه وتعالى أجوري par ceux qui arrachent violemment il arrache quand tu arraches quelque chose ça veut dire ces deux choses collées d'une façon solide et tu veux les séparer, tu vas arracher, une, parce qu'on n'arrache pas quelque chose qui n'est pas tricolé. Hein? On arrache hein, quelque chose qui est tricolé. Et quand on arrache, ça veut dire qu'il est très tricolé de chaque unité de deux choses, ils sont tricolés. Alors tu arraches une par rapport à l'autre pour les séparer. C'est comme ça, les anges qui arrachent, hein, qui vont prendre l'âme d'un infidèle, hein, comme ça, il sépare le corps et l'âme. Quand il va mourir, pour séparer son âme de son corps, il faut l'arracher. Wallahu a'lam, peut-être je dis, pour nous montrer comme quoi, quand l'infidèle, le mécréant, son âme est très collée à son corps, il ne veut pas que les deux se séparent. Parce que tellement que son âme est collée à son corps, et ça veut dire est collée au matériel, est collée à son corps qui va. Alors les anges ils sont, hein, ils font cette action pour l'arracher, parce que tellement que il veut rester éternellement ici bas monde. Mais hein, c'est pas possible. Alors il faut séparer ces deux produits qui sont tellement collés en arrachant l'un par rapport à l'autre. Par contre par ceux qui recueillent avec douceur, c'est l'âme du croyant qui n'est pas attachée à son corps. Parce que le croyant, il ne s'attache pas à son corps. Ça veut dire qu'il ne s'attache pas au matériel. Il sait qu'il se prépare à ce jour où son âme, il va sortir tout doux vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Dès que le temps arrive, tu le trouves, il est prêt. Les anges, ils vont faire quoi? Ils vont seulement l'accueillir et la lever. C'est là la différence, parce que le croyant, il ne doit pas s'attacher à son corps. Hein? Il doit s'attacher hein, à ce qui est plus haut. Et هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن هذا الوصف أنه حينما يموت المؤمن يكون يعني في حالة احتضار تأتيه الملائكة وهي تعرف لأن الملائكة تأتيه وعندهم كما نقولوا له دوسي تاعهم les anges qui vont rendre son âme ils ont déjà reçu le dossier auprès de ceux qui notent à droite et à gauche ils connaissent la personne alors ils vont faire ayatuha الروح الطيبة وخروجي من الجسد الطيب إلى رب راض غير غضبان
فتخرج الروح سلسة. En fait, ça me dit dans un hadith, quand le croyant va quitter ce bas-monde, les anges qui vont s'occuper de prendre son âme, parce qu'il y a un voyage à faire avec cette âme, avant qu'il soit enterré, il y a un voyage à faire. Les anges viennent, ils ont déjà le dossier, et la personne, il est connu déjà auprès de Dieu, subhanahu wa ta'ala, avec sa prière, avec son jeûne, avec ses adorations en général. Ils vont dire, « Oh, l'âme pure, tu vas quitter l'or pur, vers un Dieu qui est satisfait, qui n'est pas en colère, qui va t'accueillir. Mais par contre, حينما يكون الكافر الفاجر والعياذ بالله أيتها الروح الخبيثة وخروجه من الجسد الخبيث إلى رب غضبان غير راضي. Cette âme qui est impure, tu vas quitter le corps qui est impur vers un Dieu qui est pas satisfait, qui est en colère. Il est en colère de cette âme. لذلك تذهب الروح الطيبة فيستفتح لها. Il va faire le même voyage que le prophète Sassam a fait pendant les Isra al-Mi'raj. Bateau qui est la première porte du ciel, c'est qui? C'est l'âme de tel. Ah, c'est connu. Deuxième, troisième, jusque ça tienne. Et ici, il va leur montrer, voilà, ce qui t'attend. Il va revenir vite fait. En trouvant les gens qui sont en train de laver la personne, ou bien prier, ou bien l'enterrer. Vite, 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 ce qu'il attend, c'est beaucoup mieux que ce qui est ici. Il n'a plus rien à faire ici. Par contre, والعياذ بالله, روح الخبيثة لا تفتح لها السماء. Non. Quand les anges vont toquer la première porte de première ciel, c'est qui? C'est elle? Non. Déverrouillé, non. On n'ouvre pas à cette âme impure. Il n'a pas l'autorisation. Et là, tout de suite, on va lui montrer, والعياذ بالله, ce qu'il attend comme punition. L'âme va revenir pour parler au corps et parler aux gens autour qui le lavent, qui l'emmènent vers le cimetière. À ce suite, vous allez l'amener où? Laissez-le encore un tout petit peu tant qu'il est sur terre, parce que si vous le mettez, si vous l'enterrez, ce qu'il attend, c'est encore pire que le fait qu'il reste sur terre. Et l'un de nous, il doit y avoir une des deux. Allah n'a qu'une nous oula, Inch'Allah. Et là, de méditer à ça. C'est pour ça qu'elle a juré par ces deux sortes d'anges. Ceux qui arrachent ou bien ceux qui recueillent par deux sœurs l'âme de nous. Ça, c'est quoi? C'est le résultat de nos œuvres. Tout ça, la conclusion de tout ça, c'est le résultat de nos œuvres. Alors, à nous de d'œuvrer avant que ça sera trop tard. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في أجسادنا أرواحا طيبة حتى تخرج إن شاء الله سبحانه وتعالى ناشطة والحمد لله رب العالمين.